temps sur les réseaux sociaux, bah là on commet l'ingratitude par rapport au temps, par rapport aux yeux, parce qu'on utilise nos yeux pour autre chose que ce qu'ils sont destinés, notre intellect aussi. Tu vois, elle est en train d'augmenter. Après, il va réaliser, il peut arriver à un niveau où il comprendra que cet acte, donc aller sur les réseaux sociaux, est un grand péché. Pas juridiquement, hein. Oui, mais pour les gens d'excellence. Spirituellement. Et on peut aller plus loin. Ça, c'est la beauté de la vie. Donc, ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours un niveau à atteindre, un objectif. Donc, l'objectif, c'est monter toujours plus loin. Voilà. Être parfait, partout. Mais pour Dieu. Et se rendre compte des petites choses. Voilà. S'éloigner des petites choses qui pour finir, ne nous donnent rien. Après, tu deviens sensible à la question de l'injustice. Pour toi, si tu lèves la voix, si tu regardes des futilités, vous voyez, pour nous, c'est difficile, hein, à notre niveau maintenant, c'est trop dur. Comme pour les sportifs. Hein. Les sportifs, pour eux, 8 heures, c'est normal. Là, c'est un plaisir. Pour moi, c'est une souffrance, 8 heures de sport. Ouais. Mais il faut s'entraîner. Il faut lever toujours graduellement la barre. C'est ça, hier on a parlé de l'immigration. Il ne faut pas accepter la faiblesse. Il faut toujours essayer d'améliorer la situation. Hein? Mais avec le cœur. C'est question d'un combat spirituel avec le cœur. Hein? Ce n'est pas un combat spirituel physique, c'est avec le cœur, avec la conception. La gratitude, la compréhension, la connaissance. Permanent. Tu essaies d'être excellent. Et au niveau du cœur, si j'utilise mon cœur, si je remplis mon cœur par n'importe quoi, par des idées négatives, ça, et aussi, il n'est pas fait pour ça, le cœur. Il est fait pour aimer. Vous voyez, là, là, je suis en train de nettoyer tout. De purifier tout, d'être vigilant, comme il a dit Guy. Être vigilant, la vigilance, tu deviens sensible à la laideur. Tu n'accepteras pas la laideur. Donc, comme quelqu'un qui est très maniaque chez lui, vous voyez, tu deviens la même chose, mais partout, sans souffrance. Parce que là, tu cherches la satisfaction de Dieu. Vous voyez? واستقصاء ذلك يحتاج الإمام إلى بيان كومبريس يعني واستقصاء ذلك يحتاج إلى مجلدات إلى دي bien sûr il a bien compris il nous faudra rédiger de nombreux volumes pour approfondir cette étude et nous nous dirions encore que bien peu de choses donc il y a beaucoup de choses à travailler mais c'est juste un exemple ثم لا نفي إلا بالقليل وإنما أردنا هذا القدر ليعلم حلة الصدق في قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور Nous avons simplement voulu montrer en ce bref exposé combien la parole du Très-Haut est vraie. Peu de mes serviteurs savent se montrer reconnaissants. Je répète, maintenant, vous avez compris que vraiment, il y a une élite qui se montre reconnaissante. Une minorité. C'est l'élite. Pourquoi? Par nature, l'homme est ingrat. Par nature, l'homme est ingrat. Par? Par nature, l'homme est ingrat. Voilà. Et en fait, cette nature, c'est quoi? Pourquoi on est ingrat? Pourquoi on tombe dans la gratitude facilement? Parce qu'on a tout facilement. De nos jours, nous, on a tout. On reçoit tout ce qu'on veut facilement. Du coup, ça devient banal. Ça devient banal. Ce qu'on reçoit. Pour nous,
La nourriture, elle est pour moi. Et l'objectif, c'est manger. Et manger pour manger. Mm-hmm. Cherche pas la sagesse. Donc, l'ingratitude, c'est à cause de cette facilité, ou bien cette simplicité. D'accord? Donc, les gens reconnaissant cette minorité, ils posent toujours la question, quelle est la sagesse? D'accord, je vais faire ça. J'ai tout ça à ma disposition. Pourquoi? Quelle est la sagesse? Et après, j'essaie de réaliser cette sagesse ou la respecter. Si je la respecte, si je l'applique, ou bien j'essaie de la réaliser, je suis reconnaissant. Je serai reconnaissant. Peu de mes serviteurs savent se montrer reconnaissants. Et après, bien sûr, il y a des degrés de reconnaissance. Il y a des degrés de gratitude. Il y a quelqu'un qui va comprendre une seule sagesse. Il y a un autre qui va comprendre deux. Il va respecter deux sagesses. Et ainsi de suite. D'accord? وفرح إبليس لعنه الله بقوله ولا تجد أكثرهم شاكرين. Donc peu de mes serviteurs savent se montrer reconnaissants. Le diable maudit soit-il, peut exulter et dire, la plupart d'entre eux ne se montrent pas reconnaissants. Il était très heureux. La plupart d'entre eux ne se montrent pas reconnaissants. D'accord. Donc, imagine, je prends mes habits, je les mets rapidement comme ça. Hein? Ça, est-ce que ça, c'est un péché? Je suis pressé. Hein? Juridiquement, c'est pas un péché. Juridiquement, il n'y a pas de péché. Mais chez un serviteur reconnaissant qui respecte les habits, qui respectent les anges qui sont autour de nous, qui n'aiment pas le stress, qui n'aiment pas les cris, qui n'aiment pas la laideur. Hein? Parce que quelqu'un qui met ses habits avec stress, avec, est-ce que de l'extérieur, est-ce que c'est beau? Il te stresse, n'est-ce pas? Hein? Il te met la pression. Hein? Donc, cet homme a commis une injustice à l'environnement. Mais il faut être sensible, il faut avoir cette excellence pour voir cette laideur. Pour d'autres, non, il essaie de gagner du temps. D'accord. Donc, la plupart d'entre eux, ça c'est une forme d'ingratitude qui plaît au diable. Parce que le diable aime l'empressement. La plupart d'entre eux, et Dieu aime le non-empressement. Donc, Allah est beau et aime la beauté. Ça, c'est la règle. Dieu est beau et aime la beauté. Attention, il ne faut pas commettre une attitude, un acte, une attitude laide. Commettre la laideur est une forme d'ingratitude et d'injustice. Et à vous de voir après. Tout ce que vous avez entre à votre disposition, c'est pour être beau, pour arriver à être beau et respecter la beauté et atteindre la beauté divine. Comprendre, voir, contempler. D'accord? Donc, il ne faut pas détruire l'environnement. Il y a des degrés de destruction, comme j'ai dit. D'accord? Donc, mon frère, dans l'excès de cette vie, pas impossible, mais dans cet excès de vie où tout va très vite, ceci, cela, dans l'excès de notre manière de vivre, je ne dirais pas à chacun, mais en tout cas, vite, 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 l'horaire, la montre.
On peut faire des erreurs sans s'en rendre compte, oui. Pris dans la vitesse du temps. Oui. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de réfléchir, de poser la question. Pourquoi je parle? Pourquoi je fais ça? Pourquoi ce bienfait? Pourquoi la voiture? La voiture, il y a des jours, des jeunes m'appellent et je suis à la maison l'après-midi. Je vais me reposer une heure. Si je suis sur mon lit, je me déshabille, je me mets sur le lit dans le silence. Ça m'est arrivé de prendre le courant dans la table de nuit, lire une page. Il y a 15 jours, le téléphone sonne. Qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur Guy, vous pouvez nous emmener là? Je dis, pourquoi à tel endroit? Vous voulez acheter quoi? Mais c'est cher là-bas. Et je me dis, mais Guy, il a envie de conduire. On est trois dans la voiture. Je suis le quatrième, mais à droite. On met le L. Cette personne vient d'avoir le permis de conduire. On met le L. On va à tel endroit, du côté de Brune. On va dans le magasin. Je suis 10 mètres devant, 10 mètres derrière. Je me dis, Guy, calme-toi, vous savez, je suis.